Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de modifier une whiplash avec des pneus tout terrain et un chasse-pierre, puis ensuite détruire des structures. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre au circuit Schonker juste ici, parce que tout simplement, des voitures whiplash, il y en a 4 de disponibles. Donc regardez, c'est les 4 voitures là, donc ça ressemble à ça, les voitures whiplash. Donc ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver des pneus tout-terrain. Donc des pneus tout-terrain, vous pouvez en trouver ici à gauche dans le garage, ou alors vous pouvez en trouver aussi en face. Donc dans le garage d'en face, après vous pouvez en trouver un peu n'importe où, hein. Ça se trouve aussi dans les boîtes à outils, posées au sol comme ça sur la map de Fortnite, voilà, ça se trouve un peu n'importe où. Donc là regardez, il y a un deuxième stack de pneus juste ici. Donc ensuite il vous faudra un chasse-pierre, donc les chasse-pierres vous pouvez les trouver juste ici près du personnage, donc il les vend pour 100 lingots d'or. Mais si vous ne voulez pas user vos lingots d'or ou que vous n'avez pas de lingots d'or, vous pouvez trouver des chasse-pierres posé au sol comme ça sur la map de Fortnite, ou alors dans des boîtes à outils rouges. Donc je vais essayer de trouver une boîte à outils rouge, ou alors trouver tout simplement des chasse-pierres, parce que moi je suis en labo de combat et en fait ben tout simplement en labo de combat on n'a pas de lingots. Voilà, on ne dispose pas de lingots en labo de combat. Il faut savoir aussi que les boîtes à outils rouges ne vous donnent pas obligatoirement des chasse-pierres. Ça peut vous donner un outil de réparation et ça peut vous donner des pneus aussi, donc des pneus tout terrain. Donc voilà, faut avoir de la chance, ou soit de les trouver comme ça posés au sol, ou soit tout simplement vous prenez pas la tête et vous les achetez au personnage, hein. Okay, donc là regardez, j'ai trouvé une boîte à outils rouge, je l'ouvre et là bah c'est bon, j'ai eu des chasse-pierres. Mais voilà, c'est possible que ça vous donne autre chose que des chasse-pierres, faut avoir la chance, parce que vous avez une chance sur 3 que ça vous donne pas les chasse-pierres. Donc voilà, quand vous avez des chasse-pierres et que vous avez des pneus tout terrain, vous vous rendez près du véhicule whiplash. Et là, ce que vous allez faire, parce qu'en réalité, les véhicules ont déjà des pneus tout-terrain. Donc, ce que vous devez faire, c'est absolument les détruire. Donc, vous en détruisez un, voilà, comme ceci. Et ensuite, vous lancez vos pneus tout-terrain sur le véhicule. Ensuite, vous lancez votre chasse-pierre sur le véhicule. Et quand vous avez fait ça, vous rentrez dans le véhicule. Et maintenant, là, vous allez devoir détruire 50 objets avec votre véhicule. Donc, vous foncez dans les murs. Hein, regardez, ça détruit tout sur son passage. Donc voilà, ça c'est pas, c'est assez cheaté ça. Bon, le problème c'est que ici il y a qu'un seul bâtiment, donc on va aller en face, ce sera un petit peu plus simple. Et le but c'est de détruire 50 objets avec votre véhicule, et dès que vous aurez détruit 50 objets, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolo Mike et ciao. Peace.